Vous êtes à l'état-major de la brigade anti-sorcier. Un soldat assis est un soldat vaincu. Je vais voir tout le monde debout.
Ça ne fait que démarrer. À qui à quoi? Et même nous allons prier encore. Nous allons prier pour Gogobro. Et nous allons demander à Dieu. À Dieu Yahweh. Le Dieu d'Israël. D'envoyer son sang sur le village de Gogobro. Nous allons confondre tous les sorciers. Nous allons tous se mettre en genoux. Nous allons reconnaître la souveraineté et la puissance de notre Dieu. Nous acclamons la présence des gens de Gogobro. Voici cette jeunesse qui est en train de se battre. Il est venu enfin. Bah pour que Dieu fasse quelque chose dans le village. On vous dit qu'un homme de Dieu doit venir prier. Et les chefs refusent Dieu. Comment vous comprenez que les gens, un être humain qui a un sou de vie, refusent que Dieu entre dans son village? Pourtant la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit maintenant, ceux qui l'a bâti, les endroits où la sorcellerie est pratiquée. Et les enfants ont peur d'aller au village. Si vous rentrez là-bas, il y a des mangeurs là-bas. Le chef s'est déplacé. Nous allons prier pour ce village. Nous allons tous lever les mains. Invoquez le feu de Dieu sur Briboré. La puissance de Dieu descend dans ce village. Afin que tous ceux qui ont été attachés par les sorciers, que Dieu puisse les défaire. Nous prions ensemble le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous invoquons la puissance de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu étende sa main sur ce village. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Israël, sera sauvé. Quiconque, peu importe. Mais le fait même d'invoquer le Dieu d'Israël, il a obligé les descendants pour te secourir. Nous allons invoquer le Dieu d'Israël. J'ai dit aux gens, ce n'est pas notre Dieu. Parce que le Dieu de nos parents, ce sont des démons, des génies, des fétiches. Nous adorons le Dieu d'Israël. Pas le Dieu de nos pères. Dieu là qui nous allons invoquer. Au nom de Jésus-Christ, qu'il descende pour se manifester. Tous les départements de Divo ont besoin d'être délivrés. À Divo doit sortir des cadres. Et Dieu me révèle beaucoup de choses. Sur le père Dida. Toute fois qu'il y a un ministre Dida, il finit mal. Vous avez bien remarqué. Ah, bien. Si une célébrité Dida,
Et finalement, est-ce qu'il a fait à son nom Kakou Séverin? Kakou Séverin. Il était un puissant homme de Dieu. Ah, là, encore, cadeau. Regardez comment il a fini. Ah, oui, ça bien. Le ministre Boga Doudou. Ministre Boga Doudou. Regardez comment il a fini. Ah, oui, ça bien. La plupart. Aka, bien, mettons. Donc, le peuple d'Ida. Le Dida. Il y a un problème. Waka, oui, donc, oui. Il est spirituel. Il est spirituel. Hier, je suis parti à Lakota. Et mes amis, avec mes chauffeurs. Nous sommes allés vers 18h. Parce que pour nous, il faut que toute cette région soit délivrée. Et même que nous faisons cette heure. Pendant que vous dormez, pendant que vous êtes chez vous, nous travaillons dans vos villages. Nous travaillons pour chasser les démons. Parce que le peuple d'Ida doit se réveiller. Quand Esaïe 60, vous allez dire, lève-toi et sois éclairé. Tant que tu ne te lèveras pas, Dieu ne pourra pas te lever. Alors si tu te lèves, Dieu t'éclairera sur quelque chose. Le fait que tu es encore dans la prison. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Dieu ne peut pas donner les terres. C'est pas possible. Vous avez tout. Vous avez la forêt. C'est les étrangers qui mangent ça. C'est le vrai lumière. Allez voir Lakota. J'ai été à Lakota vers 17h, 18h, 19h. On a fait 1h30 dans Lakota. Vous voyez Lakota. Le peu que j'ai connu Lakota, c'est toujours Lakota. À cause des dragons. À cause de la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de développement. Le peuple dit un problème. Si vous ne vous levez pas dans la prière, parce que c'est spirituel. C'est cela que j'ai invité les chefs et merci d'avoir répondu. C'est pour moi un geste très fort. Avec tous les gens, vous que vous aimez vos populations. Ah, voilà quoi. Oui, parce que c'est pas qui veut diriger des gens. Comment on ne peut pas diriger des personnes tant que l'éternel Dieu n'est pas au devant de toi. Et c'est Dieu qui établit toute personne. Là, comment ça peut voir? C'est cela que pour moi, je suis vraiment choqué d'apprendre que ceux de Gogobro, les gens de Gogobro, ils refusent qu'il y ait des croisades. Ils le refusent, c'est dangereux de refuser un homme de Dieu. C'est très dangereux. C'est dangereux. Et cette terre appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à une personne. Mais nous allons rentrer à Gogobro. J'ai dit aux jeunes, parmi vous, quelqu'un ne sera touché. Il n'y a pas un sorcier. Vous comme un écho. Il n'a pas l'air de louer. Ouais, mais, bah, il ne pourra jamais vous toucher. On ne sait pas, la vie c'est un combat. Pourquoi vous voulez pour c'est comme ça. C'est qui est. On appelait avant lui travail français. Voilà, on parlait de la police. Ils ont aboli ça. C'est un combat. Et à tous les niveaux. Et moi, je vous encourage dans ce combat sur le Gogobro. Il ne mange pas autre chose. Quoi il faut dire? Choubouya de l'homme. Quand il n'est pas ce qu'il mange. Mollé. Nous allons prier. Allez, prier. Dieu qui est dans sa main sur ce pays. D'accord, je sors. Quand on court, n'est-ce qu'il y a d'autres qui ont droit à la vie? Quoi là? J'ai dit aux hommes, il nous a donné un pouvoir. Il y a un tête. Quel est le pouvoir? C'est de lier, de lier. Il dit tout ce que vous liez, c'est lié. Tout ce que vous déliez, c'est délié. Au nom de Jésus, si les personnes ont été liées, quelle l'église? Il y a le pouvoir. Quand vous ne le faites pas, là, il y a une manger.
J'ai dit aux gens, Jésus ne viendra plus pour délivrer les gens. Il nous a légué son pouvoir. C'est nous qui devons parler pour délivrer les gens. D'accord. Amen. Amen. Que les gens soient délivrés. Il n'y a plus d'esclaves du diable. Amen. Le drapeau a tout régné sur cette région. Ça a tout régné. Il y a trop de choses vilaines. Oui, trop de vilaines choses. Oui, tiens quoi. Le peuple d'Ida, dis à quoi. Toujours les conneries. Oui, c'est vrai. Les vilaines choses. Oui, les vilaines choses. Oui, pardon. Regardez comment Luga prend ça. Ah oui, mais c'est les vérités. Regardez ça. Ah oui, ils ont bien. Luga. Oui, je suis en étudier votre histoire. Parce que vos parents ont vendu vos richesses, tout ça là, au dragon. C'est comme ça que vous appelez ici. Nous on dit Bagba Mene. Moi je préfère ça qu'il traduit. Bagba Mene. Levez les mains, prions. Amarina, we got a mock of a deal.